Après 3 ans de carrière, l'Opel Crossland X passe par la case restylage et en profite pour dynamiser son image, oui, un faciès proche de celui du nouveau Mokka. Le Crossland, cousin du Citroën C3 Aircross, fera son entrée sur le marché en mars 2021, avec des prix démarrant à partir de 170 000 dirhams marocains. S'il faudra attendre le mois de mars 2021 pour voir débarquer le Crossland 2021 dans les concessions Opel, nos journalistes ont déjà pu en prendre le volant. Pour ce premier test, le cousin allemand du Citroën C3 Aircross s'est laissé conduire dans sa version la plus vendue. Découvrez notre avis dans l'essai du Crossland 1.2 litres turbo 110 chevaux à essence, dans la nouvelle finition GS Line. Alors qu'Opel vient de présenter un tout nouveau et séduisant SUV urbain, avec le « petit Mokka », on pouvait légitimement se demander si le Crossland X trouverait encore sa place au sein de la gamme. En effet, alors qu'il est arrivé sur le marché il y a 3 ans, le petit frère du grand Land X pouvait apparaître vieillissant, sans compter que ses dimensions de nœuds très proches de celles du récent Mokka Land, 4,21 mètres cross de X contre 4,15 mètres. Opel s'est donc décidé à offrir un gros restylage à son SUV et en profite même pour changer l'appellation du modèle, en lui faisant perdre son X. Et l'on peut prédire sans trop de doute que le Grand Land X suivra la même tendance lors de son prochain gros restylage au printemps 2021. Malgré tout, la firme allemande ne s'est pas contentée de détails marketing pour la mise à jour de son Crossland et a également profondément revu son esthétique. Celui-ci adopte en effet une toute nouvelle face avant, avec une calandre très proche de celle arborée par le Mokka. Ce nouveau faciès, appelé Visor par la marque, donne ainsi au Crossland un côté nettement plus dynamique que l'ancien modèle. Opel annonce d'ailleurs que cette face avant se généralisera à l'ensemble de la gamme à l'avenir. À l'arrière, les différences sont bien plus subtiles et l'on note simplement la présence de blocs optiques noircis, qui sont désormais reliés par un bandeau noir brillant, tandis que le nom Crossland est écrit en tous les concernant l'habitacle. Pas de bouleversement à noter, si ce n'est la possibilité de choisir en option de nouveaux sièges élus en Alcantara. Cette nouvelle calandre devrait se généraliser sur l'ensemble de la gamme Opel à l'avenir. Enfin, Opel a également revu le Crossland sur le plan dynamique, en optimisant les trains roulants, avec de nouveaux ressorts combinés barre oblique amortisseur, mais aussi la direction, qui serait désormais plus précise. Un système d'anti-patinage adaptatif baptisé IntelliGrip sera également disponible de série sur Ultimate dès février 2021, offrant 5 modes de conduite, normal, neige, boue, sable et SPOF, de même que des phares à virage adaptifs viragés. Par rapport au Mokka, le Crossland conservera comme atout des tarifs très attractifs, avec un premier prix affiché à 169 950 dirhams marocains avec le moteur essence 1,2 litre de 83 chevaux. L'offre de motorisation est toujours complétée par le moteur 1,2 turbo en essence, offrant 110 ou 130 chevaux, ainsi que le bloc 1,5 en diesel, 110 chevaux ou 120 chevaux en boîte automatique. On note enfin l'arrivée dans la gamme d'une nouvelle finition GS Line à tendance sportive, qui se place sous la finition haute Ultimate. Opel annonce une ouverture des commandes le 22 octobre pour ce Crossland, qui fera son entrée en concession en mars 2021. Les équipements de l'Opel Style Crossland. Édition. En joliveur 16 pouces bicolore noir et argent. Grille de radiateur noir avec barre chromée. Phare avant éco LED avec feu de jour à LED. Phare arrière halogène. Ligne de vitrage noir. Poignée de porte peinte carrosserie. Spoiler arrière noir. Climatisation manuelle. Écran multimédia 7 pouces. Élégance élégance business. Jante alliée 16 pouces argent. Ligne de vitrage chromée. Sabot, avant et arrière façon aluminium. Climatisation automatique. Accoudoir. Caméra de recul. Sur élégance business. Écran tactile 8 pouces Navi Pro sur élégance business. Ligne GS. Jante alliée 17 pouces noir. Peinture biton avec toit noir perlanera. Ligne de vitrage rouge. Rail de toit chromé. Sabot avant et arrière façon aluminium. Pack Vision. Phare full LED adaptatif avec allumage et extinction automatique. Assistant feu de route, éclairage d'intersection, réglage automatique de l'assiette et feu arrière à LED. Radar de stationnement arrière. Écran multimédia 7 pouces. Pack modularité ultime, jante alliage 17 pouces bicolore. Peinture biton avec toit noir perlanera. Rail de toit chromé. Moulure de bas de caisse biton avec insert chromé.
seuil de portes avant, chromés Opel, pack vision, pack modularité, écran tactile 8 pouces Navi Pro, clé Opel.